Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Ils sont pas encore là? Non, hein? T'as pas ouvert de toute façon. Non, c'est bon. T'es bien installé, toi, du coup? Ouais, bah ouais, je sais bien, ouais. On t'a mis à l'aise, hein, j'ai envie de te dire, mon petit Narto. En même temps, voilà quoi. En même temps, c'était normal un peu qu'on utilise toute la Twitch monnaie, j'ai envie de te dire. Voilà. On a pensé à tout le monde, quoi. Bon, Mary, on l'a mis dans les combles, en revanche. Ouais. Ouais, bah, je lui ai fait un petit bureau tranquille, hein, j'ai envie de te dire, dans le basement, quoi. Hein, juste à côté du. On en reparlera, t'inquiète. Allô? Allô? 6-4. Attends, je mets mon casque. Attends, bah, je vais mettre le mien aussi du coup. Ouais, bouge pas, je le branche Ça, on est directement sur cool. mon truc. Ouais, attends, là, mais ouais, technologie, tout ça. Bon, ça va toi? Tu t'y retrouves tes marques ou pas? Ouais, ça fait bizarre. Ouais, Hein? je sais. C'est un peu plus grand quand même, hein. Bah, sur les photos, ça ressemblait pas à ça, mais c'est bien. C'est bien, j'aime bien. On t'a fait un beau petit truc quand même, j'ai envie de te dire. Ouais. Par contre, les 150 mètres carrés, c'est pas ça. Bon, on m'a dit ton bureau, tu verras, il y aura des belles poutres en bois, vernis, un parquet super, des lampadaires géniaux et tout. Finalement, c'est du béton là où je suis. Ah ouais? Puis je suis en bas, parce qu'on m'avait dit, ouais, tu seras tout en haut. Non, je sais, c'est moi qui ai participé au plan. Mais en fait, je voulais pas que tu sois trop près de moi, quoi. D'accord. J'ai travaillé un discours qui retrace un petit peu le truc, tu sais, parce que les mecs ils vont nous casser les couilles, hein, j'ai envie de te dire, les gars Mais ils payent de l'argent forcément. quand même, donc faut quand même faire Ouais. un truc assez sympathique pour 2019. Voilà, donc tu me dis ce que t'en penses et puis on va voir ça, ok? Ok, ça Attends. marche. Alors, du coup, le discours. Oui. Alors, Oui. c'est bon, c'est un peu solennel, hein. Attends, j'ai pas tout terminé, donc va falloir que j'écrive encore Vas-y, je quelques t'écoute. De toute trucs, façon, hein. moi je suis bien installé là. Attends, j'ai des Mikado avec moi. Non, même pas, dommage. Mais j'ai du coca dans ce coffre-là. Ok, Un petit super. tiroir. Alors, bon, alors qu'est-ce qu'on va leur dire aux étudiants Alors, moi, et à tout vas-y, dis-moi, je vais te le dire monde? mon ressenti par rapport à ce que tu. On va leur dire quoi? Je commence par un, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ça fait un peu Patrick Poivre Oui? d'Arbor. Ça fait un mix entre D'Arbor? Patrick Poivre. Ouais, d'Arbor, ouais. D'Arbor, C'est ouais. les côtes d'Arbor. Ça fait un mix entre Patrick Poivre d'Arbor et Skok, le fameux, la voix de la communauté Rainbow Six Siege française. Ouais, mais dans ce cas-là, faut prendre une voix plus féminine. Pour Skok ou pour Patrick Poivre d'Arvor? Ah bah pour Skok. Un truc du style. Bonjour, mesdames, messieurs. Ok, Tu vois? alors. Bon alors, voilà comment ce sera le discours. Vas-y, vas-y. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. J'aimerais commencer ces mots par vous souhaiter à toutes et à tous, à toutes et à tous. Alors excuse-moi Ouais, vas-y, je d'intervenir. t'en prie. Tu vas Tu me sais casser les lire? couilles toutes les 2 secondes parce que là, Ouais, non, mais ça va juste là, m'enlever c'est le pour. momentum Non. et on va pas y arriver, hein, j'ai envie de te Ouais, dire. mais c'est juste pour savoir si tu sais lire. Ils arrivent dans 10 minutes, mec, on n'a pas Oui, le ok, temps. bah vas-y, enchaîne, bah apprends à lire alors. Ok, donc. J'aimerais commencer ces mots par vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et une heureuse année 2019, pour vous ainsi que pour vos proches. Que cette année vous apporte tout ce que vous avez toujours souhaité, l'argent, la santé, mais surtout pour la plupart d'entre vous un rank supérieur à celui de Silver 3 dans lequel vous évoluez à l'heure actuelle. Bim. Voilà. Ouais, le j'aime bien là. Ouais, t'aimes Bim. bien ça, bon, je continue. Ouais, le petit bim. Ouais, dans les dents. Puisque vous vous retrouvez ici dans la plus grande bibliothèque du stream game français, permettez-moi d'utiliser une sémantique parfaitement adaptée à la situation, puisque, avant d'écrire une nouvelle page dans ce nouveau chapitre intitulé sobrement 2019, il est important de regarder une dernière fois ce que nous avons accompli tous ensemble sur cette précédente page qu'était 2018. En janvier, au hasard d'un match sur Tinder, ouais, bah, du coup j'aurais dit la vérité, quoi. Ça te va ça? Hein, on est transparent, mec, hein. Ouais, transparence, c'est un peu le. Bon, alors je Moi, continue. là... ouais, vas-y. Ok. En janvier. Au hasard d'un match sur Tinder, je tombais sur Mary qui partageait comme moi l'amour des jeux vidéo, de l'e-sport et en particulier de Rainbow Six Siege. Cette rencontre, qui aurait pu s'apparenter à la rencontre de Zinedine Zidane avec un pilier de PMU passionné de foot, donna quelques jours plus tard naissance à ce que vous connaissez aujourd'hui, la Salty Academy. Le Oh, c'est principe beau. et le concept de la Salty Academy étaient alors simples. Utiliser mes compétences surhumaines sur Rainbow Six et la qualité de réalisation de vignettes putaclic de Mary pour s'en foutre plein les poches. Ouais. Qu'est-ce qui a écrit ça? Narton, c'est toi qui as Oh! rajouté ce truc là? Mais hé! Non mais on peut pas mettre ça. Comment ça? Des vignettes putaclic et s'en foutre plein les poches. T'es con ou quoi? Je le savais, fallait pas. J'ai laissé le truc en. J'ai mis un Google Doc en open et l'autre il a rajouté un truc quoi. Eh non, faut mentir un peu. Attends, c'est le stream game, hein. Si tu mens pas un petit peu, alors ça va pas le C'est faire. juste parce que je rajoute des flèches rouges? Un an et 1100 étudiants plus tard,
Forcé de constater que ceci fut un succès. Ah, ça fait beaucoup de S, hein, qui, moi qui sursaute. Bon, c'est pas grave, je pense que c'est pas mal quand même. Je suis particulièrement fier aujourd'hui du chemin parcouru. Ouais. Bien entendu, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire, mais que vous avez pu deviner par le passé. Amener la Salty Academy où elle ne fut pas... non, attends, je veux le refaire. Ouais, fais des phrases simples, hein. Des phrases simples. Ouais, t'as raison, ouais. Bonjour, attends, je l'ai. Amener la Salty Academy ici... Et à ce stade, ne fut pas de tout repos. Et nombreux furent les tempêtes sur cet océan salé que l'on appelle pourtant communauté. C'est pas mal ça. Ouais, je le note. Je valide. Validé. Mais comme le dit la citation que j'ai trouvée il y a 10 minutes sur Internet, que serait-ce une vie trop tranquille sinon une mer morte ? J'en fais trop là, tu penses ? Non, j'aime bien quand c'est bouffon. Ok. Alors, bon, je continue. Mais revenons sur le chemin parcouru. Et quel chemin parcouru ! Un mairie qui s'est métamorphosé cette fois-ci. Et ouais, qui nous permet aujourd'hui d'atteindre les 40 000 abonnés en l'espace d'à peine un an. Je parle bien évidemment de YouTube. Sur un autre plan, plus personnel cette fois, je n'aurais jamais cru pouvoir le voir en l'espace de quelques mois dans un environnement si hostile, puisque plein de fans de Fortnite, oui. À savoir la Paris Games Week. Et pourtant, t'es venu, quoi. Tu vois, c'est ça. Je veux insister sur le côté que t'es bougé ton cul, quoi. Ouais, non, mais dans ce cas-là, vas-y. N'hésite pas sur la surenchère de compliments. Mm. Ok, je pense que c'est un... Ouais. Mm. Ouais, je sais pas. On verra avec Naruto. Okay. Alors, bon, là, je me la raconte un peu, hein, je te le dis, parce que bah, du coup, j'ai beaucoup plus de faits de trucs que toi, tu te rends compte, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs que t'es dans le sous-sol et moi, j'ai le grand bureau, hein. D'accord. De mon côté... L'accomplissement dans mon autre boulot, dans l'e-sport de Gameloft, qui m'a permis de partir en Angleterre, au Canada, au Mexique et en Afrique du Sud. Et puis forcément, le cast. Avec en plus de celui d'être formidable, celui de la Challenger League avec Fio, le cast du Six Major de Paris avec Skok et Fufu. Café 3 l'interrogation de Jonas. Quelle joie d'avoir pu partager ces moments avec eux et de pouvoir les renouveler dans le futur en 2019, puisque, oui, c'est officiel. Je suis convié à caster le Six Invitational du 10 au 17 février 2019 à Montréal. Waouh! Ouais, ça, tu le savais pas, mais je te le dis. Hein. Oh merde, tu me fais la surprise! Oh, t'es con! Il est temps de parler de la résistance qui commence à se faire et les raisons de celle-ci. En effet, en plus de tous les troubles psychologiques qui nous coûtent en médicaments l'équivalent de 50% du PIB de la France sous Macron. Oui. Mary est atteinte d'une maladie grave et visiblement incurable. La Fortnite-ite aiguë, plus connue sous le nom de maladie du jeu de merde, de course de caddie. De merde, ouais. MERDE, voilà, c'est comme ça. Ouais. Nous avons décidé de lancer un groupe de pression. Ouais. Les Llama Busters. Et très prochainement, directement à disposition, en dessous de nos vidéos YouTube, des designs à l'effigie de notre action commune que, hein, pour ceux qui savent voir, vous pouvez déjà voir sur les deux sièges qui sont juste devant moi. Que serait la Salty Academy sans le chemin parcouru en devenant champion du monde avec Youngtis, maintenant ? Il est temps de rendre ces lettres de noblesse à cette communauté de joueurs qui furent les bases de l'Académie d'aujourd'hui. C'est donc avec un grand honneur... Ah, ça fait un peu trop honneur, peut-être. Parce que vu la non, personne, c'est avec un grand plaisir. Un grand plaisir. Ouais, parce que vu le nom que j'annonce derrière, c'est pas ouf, quoi. Ouais, bon, ok, d'accord. Ouais, un grand plaisir, t'as raison. C'est donc avec un grand plaisir que Maniac Marie rejoindra le staff de la Salty Academy dans le but principal de redonner ses lettres de noblesse à la communauté de l'araignée. D'abord sous un aspect casual, et puis plus tard, nous verrons bien. Je souhaiterais forcément, en plus de vous présenter notre nouveau campus... Que dis-je ? Votre nouveau campus. Vous remercier. Remercier tout d'abord Mary pour supporter au quotidien la tête de con que je suis. Remercier les surveillants pour la même prouesse et leur soutien sans faille dans les réussites comme dans les moments les plus bas. Et bien évidemment, remercier toute forme de contributeurs, étudiants sur YouTube ou Twitch, donateurs, tips, bitsers, hosts, tout ceci. À propos de donations... Sachez que non seulement ils nous ont permis aujourd'hui de faire l'acquisition d'un campus digne de ce nom, mais qu'il a aussi permis à Sophie l'infirmière de perfectionner le clutchmeter et de développer un système particulier que vous découvrirez très prochainement, l'ADS.
pour Aim Detect System. Pour remercier les membres du Salty Fan Club, nous partagerons bientôt un pack de bannières à l'effigie de la Salty Academy pour montrer votre soutien sans faille. C'est bien la moindre des choses que de vous offrir ce petit cadeau. Après tout, on est salty, mais... pas que. Pas que. Ouais, t'en penses quoi? C'est de la merde. Tout est nul.